Bonjour à toutes et à tous, épisode 10 sur God of War Ragnarok. Précédent épisode, on a fracassé Freya. On est revenu avec Atreus du bois de fer. Puis bah maintenant on va aller à Vanaheim ou je sais pas où là. C'est parti. Let's go. Vous n'irez nulle part sans ça. Qu'est-ce que vous feriez sans moi pour vous sauver les miches? Et pourquoi as-tu besoin de Kratos, Altesse? Manifestement, tu as pu te défaire des malédictions d'Odin tout seul. Fimbulwetter avait affaibli les autres malédictions, et j'avais eu besoin d'aide pour les rompre. Celle-ci est puissante. Alors, tous ces efforts pour le tuer, c'était simplement un divin appel à l'aide? Je ne me rappelle pas t'avoir demandé de venir. Parce que tu l'as pas fait. Je comptais retrouver une vieille compagne de Beuvry quand l'occasion de lever le coude se présenterait. Comme on va sûrement finir par se rendre au même endroit, autant vous filer un coup de main. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Eh ben, aux dernières nouvelles. Elle musardait avec le pencu qui te sert de frère. Frayeur n'a rien à voir avec ça. Ouais, c'est pas ce que me dit mon petit doigt, ni mes baloches. Je sens l'attraction du sort d'obédience. Sa source est un peu plus loin. Suivez-moi. C'est encore pire qu'un bourbier de Muspel à MSC. Et ça sent presque aussi bon. Ce doit être à cause de Fimbulwetter. Mais si cela aide ces deux-là à faire la paix. Ce n'est qu'une alliance temporaire, Mimir. Au-delà de ça, il faudrait se faire confiance. Oh, je t'en prie. Tu sais bien que Kratos n'est pas la cause de tes souffrances. Vous êtes tous deux autant responsables de ma souffrance que quiconque. Hey, ah bon? Ça vous dit une devinette pour détendre l'atmosphère? Qu'est-ce qui coule à cause du froid? Facile. Un nez. Il va falloir trouver mieux que ça, Brock. Attends de voir, gros malin. Bon, oh, vas-y, m'a saoulé ce corbeau. Hop. Ça, c'est le genre de truc que je ferai en off, tu vois. Viens. Nous devons avancer. Ah. De magie que ce qu'on a sur nous. Par ici. Oh non, ça ne va pas. Mon sort, je le sens qui m'échappe. Ah ben ça, c'est Fimbulwetter. Non, tu ne comprends pas, je vais disparaître du royaume. Que peut-on faire? Une chose que j'espérais éviter. Je n'ai plus vraiment le choix. Falky! Allons-y. Tu pouvais contourner le sort d'Odin depuis le début? Non, je l'ai découvert quand vous avez ouvert le passage entre les royaumes. Et ce n'est pas une solution. Cette forme est extrêmement contraignante. Ah, ça c'est Fimbul! Bordel! Attention aux plantes! Elles sont... J'avais prévenu. Si tu veux éviter son poison, coupe-la de suffisamment loin. Ok. Je reconnais ce marché. C'était un lieu de rencontre et d'échange pour les villageois. Pourquoi ne l'ont-ils pas reconstruit? Mon frère, crois-tu vraiment qu'elle nous laissera en paix si tu l'aides? Je l'ignore. J'ai choisi de l'aider. Pour le reste, nous verrons. Oui. Ça a marché, hein? Ah, ok. Je sais pas si ça me plaît plus. Oh, ça c'est mieux. On va laisser des bricoles. C'est dommage que ça prenne la poussière.
C'est une façon de voir les choses. Ça vous relance le palpitant. J'avais oublié à quel point j'aimais la castagne. Ok. Où ont-ils bien tous pu passer? Ils ont dû se retirer. Se cacher dans les bois. Non, Ruby. Après avoir leurs traces avec la magie. Impossible de savoir combien ils sont, ni comment les retrouver. Les âges n'ont pas fait de la dentelle ici. C'est grâce à notre cher Mimir. Déclarer la guerre aux Vannes n'a jamais été mon idée. Moi, je voulais négocier un mariage pour y mettre fin. Et quel succès ce fut ! Bien évidemment, la paix a été tout aussi désastreuse que le mariage. A-t-il lancé une nouvelle invasion, juste après m'avoir exilé ? Merde, je l'ai pas vu. Ok, bon, faut que je monte, je pense. Merde. Bah, c'est où? Là? Mais c'est pas de là que je viens, si. Mais si. Ok. Ça nous prie. Je suis sûr que t'as raté. Tu devrais jeter un autre coup d'œil dans le coin. Oh putain. Prends ça, espèce de cette bête. Ah ouais. Que nous avait fait ton frère. Pourquoi faut-il que tu l'évoques sans cesse? Laisse mon frère là où il est. Est-ce que c'est bien compris? Oh, je comprends parfaitement. Hey! Plus nous avancerons, plus la flore sera hostile. J'espère que tu es prêt. Écoute, les fratries foireuses, c'est mon rayon. Sindri et moi, on a été tellement longtemps sans se causer que c'était comme si j'avais plus de frères. Oh, c'était un peu de ma faute. Mais ça m'a pas empêché de rejeter la faute sur lui la plupart du temps. Ça te rappelle quelque chose? Et où veux-tu en venir? L'important, c'est qu'au bout du compte, c'était pas la fin du monde. On a fini par arrêter nos gamineries. Et c'était comme s'il ne s'était jamais rien passé. Il est tout de suite redevenu le boulet que j'avais toujours connu. C'est ça, la famille. Mais faut faire avec. Ça vous plaise? Grand marteau. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin d'entendre cela maintenant? Tout ce que je veux, c'est retrouver ma liberté. Et je ne compte pas me laisser distraire. Écoute, tout ce que je veux dire, c'est que si tu finissais par parler à mon frère, votre pire conversation. Wolver, mettez-la en veilleuse. On peut rien faire avec tout ça.
C'est quand même plus violent les combats avec Kratos. Montre-moi ce que t'as. Ça, ça me plaît. Tu lâches rien, toi. Tout ce que je veux dire, c'est que si tu finissais par parler à ton frère, votre pire conversation serait peut-être pas nécessairement votre dernière. Minute ! Si vous voulez pas vous retrouver les tripes à l'air. C'est bon, vas-y. Le balèze. Ton peuple ne reçoit plus de visiteurs? Je l'ignore. Ce n'est plus mon peuple à présent. Ok, donc la hache. Donne-moi un coup de main. Et t'avise surtout pas d'en parler aux autres. Allez, on monte! Vous êtes bien content que Brock soit là pour veiller sur vous. Oh. Merde! Nous devrions sans doute aller le chercher. Sois sur tes gardes. Je sais pas. Je me posais la question, est-ce que je préfère la hache Léviathan? Ou est-ce que je préfère le... les lames du chaos. Je dirais les lames du chaos parce que c'est ce que Kratos a eu depuis le début. En fait, c'est la hache fait plus de dégâts directement, mais les lames t'es beaucoup plus rapide, quoi. Tiens, tiens, qu'avons-nous là? Le vieux borgne envoie un autre dieu faire le sale boulot? Thor est occupé? Nous ne servons pas Odin. Non? C'est pas exactement l'endroit pour flâner. Je me trompe? Ah, moi tout seul, je vous éclate. Franchement, garde tes menaces, mon frère. Oh, je connais cette voix. Tu sais, je te couperai bien la tête. Mais on dirait que j'arrive trop tard. Ah, tu es perspicace, mon frère. Non. Non, je suis pas ton frère. Tu as vendu ma sœur à ce... chien. Pour avoir la paix. Oh! Tu y crois? Où est-elle? Hmm? Et où se trouve ma sœur? Dans un donjon d'Asgard? Est-elle au moins en vie? Réponds-moi. Dans ce cas, le sang va couler. Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chose à sa voix? C'est moi, Yngvi. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Écoute-moi. Ces hommes sont à mon service. Je suis là pour reprendre ce qu'on m'a enlevé. C'est trop tard. On ne peut défaire ce qui est fait. Je le peux. Crois-moi. Allez, laisse-les passer.
Donc... Vous servez ma sœur ? Comme nous tous. Détache-le. Camp de frères. Donc alors, ça c'est son... C'est son frère. Ok. Bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je crois que je vais rester tailler le bout de gras. Oh, ben voyons. Comme tu voudras. Mon frère, si tu veux bien, j'aimerais m'entretenir avec le seigneur Freyer. Ok. Brock, je rêve ou t'es en train d'installer ton atelier dans ma forge? C'est pas parce que je t'ai embrassé que j'ai pardonné aux jumeaux des cassos pour autant. On a tout réparé. Si tu veux aller te balader entre les royaumes, fais-toi plaisir. Pardon? Ma famille est ici. C'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais ça représente beaucoup pour moi. Pour moi aussi, je te ferais dire. Ou j'aurais pas pris la peine de... Ah, avec l'argent, on peut fabriquer des choses. Putain, mais je savais pas. Ok. Donne-moi un coup de main à la forge pendant que tu me racontes tout ça. Dis-moi, Brock, tu comptes me présenter le bidon de lait qui te sert de garde-corps? Un peu que j'y compte. Lui, c'est Kratos. Mais tu peux l'appeler comme ça te chante. Kratos, Lunda, une vieille connaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'imagine. Là, on est à... Ah ouais, là on passe à 28. Oh la vache, ça c'est bien ça. Et c'est stylé. Je fabrique. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Moi j'ai quoi? J'ai ça. Et si je l'améliore, mais j'ai pas d'acier nain, donc je peux pas... Ça, ça me donne plus de force, mais je perds de la défense, de la vitesse. Putain, ouais, non. Donc là, j'ai ça. Là, je peux pas l'améliorer non plus. Moi, j'ai ça. Ok. Pareil, j'ai ça. Il faut de l'acier nain, je n'en ai pas. Là non plus. Moi j'ai ça, ouais, et ça je perds, donc non. Protection des avant-bras, moi j'ai ça, ok. Si on aurait ça, on perd de la force, on a du pouvoir unique. Là on gagne 30 de force et 18 de vitalité, et les bandes spirituelles... On perd de la vitesse, hein, restaurer une partie, ouais. Ça je pourrais peut-être faire. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. Ok, protection de la taille. Donc moi j'ai ça. Ok, donc là je passerai à 23. Là on augmente la défense, ouais. Là on augmente gravement la défense et la vitalité. Je vais faire ça. Bon ou pas? C'est très bien. Un besoin spécial? La hache, je peux rien faire. Ça, je peux. Mais c'est bizarre parce que... Ça veut dire... Attends, je vais tester. Ok. Donc là, je peux améliorer la force. Ok. Et ça, bah, je vais l'améliorer. En équipe. Je vais améliorer ça.
Et l'âme du chaos. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux pas. Là, ça m'augmente le RNV, c'est quoi ça? Marteler triangle, ok. Là, je passe à 4 de force. Et là, je passerai à 8. On équipe. Et je vais améliorer ça. Et ça, c'est quoi? On équipe. Ok. Et niveau bouclier, donc moi j'ai celui-là. Et je peux l'améliorer pour que j'ai plus de défense et plus de renouvellement. Go. Ça va les calmer un peu. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment Ça pas mal. devrait te durer un bon moment. C'est très bien. Là, on a bien amélioré notre Kratos. Je vais en profiter pour save. Voilà. Parle pas. Regarde, tu l'as fait fuir. Vas-y, on va Désolé, te parler. étranger. On est parti du mauvais pied. On a surtout l'habitude de croiser des as par ici. Les visages amicaux se font rares. C'est bien un visage amical, hein? Son nom est Kratos. Et non, les As sont à Vanheim? Ils occupent le royaume depuis trop longtemps. Quel est ton plan? J'y travaille toujours. Mon frère, je crois que je peux me rendre utile. Si mon avis est le bienvenu. Je t'écoute. Dis-moi. Ta mission sera nettement plus facile si je ne suis pas dans tes pattes. Reviens me chercher quand tu auras fini. Ok. Hé hey Kratos, si tu travailles pour ma sœur, prends garde à ne pas faire d'erreur. Pardon, c'est pas son point fort. Je crains que ce ne soit un peu trop tard. Le codex. Ok. Là, on peut lire un peu tout ce qu'il y a. Dans le camp de Freyr, il y a deux coffres légendaires. Voyons ce que nous avons là. Parle-moi de ton armée. On a rencontré. Quoi, vous cinq? Contre toute l'armée d'Odin. Là, je peux rien faire. Comment je vais là-bas? Peut-être par là? Non. Pourtant là, il y a un signe qu'on pourrait faire quelque chose, mais visiblement non. Ah, là, il y a un truc là. Ah, je peux pas parce que j'ai pas Mimir. Ouais, donc pour l'instant, je peux en fait absolument rien faire, quoi. Ouais. Enfin, si, il faut que j'aille par là, quoi. Bon, bah, allez, on y va, hein. Maintenant qu'il n'y a plus personne pour nous distraire. J'ai des choses à te dire. Je t'écoute. Cette colère que tu ressens pour ton frère, je la connais bien. Tu as un frère? Son nom était Deimos. Quand nous étions enfants, il fut enlevé par deux dieux obnubilés par la prophétie. Les dieux de ma terre ne laissaient que peu de vie sauve. Et quand j'ai enfin appris qu'il avait survécu, il était trop tard pour me racheter. Sa haine s'était retournée contre moi. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Penses-tu que ma colère soit injustifiée? Tu as à peine entrevu Freyr, et déjà tu prends sa défense. Je ne prends pas sa Non. Tu ne fais que donner ton avis sur un sujet auquel tu ne connais rien. Calme-toi, il est en train d'essayer de...
de s'ouvrir un peu, Kratos. Puis déjà tu le tacles. Là par contre, on rentre littéralement dans le flou. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer dans le jeu, d'accord? Putain, doucement. Vraiment, je sais pas du tout ce qui va se passer pour de vrai. À partir de là, j'ai arrêté de regarder des vidéos sur ce jeu. Donc, comme ça, le problème est réglé. Putain, je l'ai pas vu, saloperie. Un ancien. Et quoi, je le bute, je fais quoi? Putain, je le loupe. Merde. Putain, mais comment je suis censé le déboîter lui? Wow, 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 calme-toi. Oh, c'était quoi ça? Arrête! Mais putain, mais il est en train de me faire mal. C'est quoi ce que tu lâches? Ah, il faut pas lui viser là. Voilà. Ça, vite, rond. Ok, je l'ai eu. Ouais, il fallait contrer en fait. Ok. Alors attends. Je
sais ce que tu es en train de faire. Tu joues sur ma corde sensible pour que je te laisse vivre. J'essaie simplement de t'aider. Nous ne devrions pas reproduire les erreurs du passé. Épargne-moi le récit de tes erreurs. J'ai assez à faire avec les miennes. Merci. Qu'est-ce que c'est, jouissif? C'est fait. Ah, et où? C'est bon, il est mort. Ça, je peux rien en faire. Ok. Tout le monde a toujours un conseil à me donner, alors que personne ne connaît rien de moi. La plus grande perte de ma vie est due au fait que tu m'as sauvé, alors que je t'avais expressément demandé de ne pas le faire. C'était ma famille, mon problème. Baldur n'était certes pas parfait, mais il était à moi. Je sais. Tu sais. Crois-tu seulement avoir la moindre idée de ce que c'est que de perdre un enfant? Oui. Je le sais. Tu en as eu un autre. Avant Atreus? Son nom était Calliope. Non. Que s'est-il passé? C'était il y a longtemps. Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû demander. Arrête! Sérieux? Après la petite ellipse. Saloperie. Ah putain, je l'ai pas vu. C'est quoi ça? Suffit, ouais. Dégage. Oh la vache. Allez, m'a revu la tête.
Oh mec, calme-toi. Juste, c'était quoi de nouveau la compétence que j'ai pris? Ouais. Il me semblait que j'avais un truc pour faire tourner la hache là. Ah, c'est visé maintenir. Hein. Ok. Allez, dégage. Ça suffit, oui. Non, mais dis donc. Voilà. Nous devons atteindre cette tour de guet. Il nous faudra traverser la vallée, par ici. Je connais l'histoire de ton fils. Je dois te raconter celle de ma fille. Au service d'un dieu cruel, j'ai détruit malgré moi un village. J'ignorais que mon épouse et ma fille s'y trouvaient avant que leur sang tache mes mains. J'ai juré de me venger. C'est... Je ne peux l'imaginer. J'ai fait payer leur mort 1000 fois et j'ai réduit l'Olympe en cendres. Mais la culpabilité demeure. Tu me tueras peut-être, Freya, mais ça ne t'apportera pas la paix. Ce n'est peut-être pas la paix qui m'intéresse. Toutes ces fois où je t'ai trouvé, pourquoi as-tu refusé de m'affronter? Ce combat n'aurait mené qu'à une défaite. Qu'entends-tu par là? Je ne te veux aucun mal, Freya. Tu nous as aidés, tu as sauvé Atreus de la maladie. Je ne voulais ni être responsable de ta mort, ni me résigner. Je vois. Bah ouais, c'est clair, surtout qu'en plus, si tu suis la logique... Merde! Kratos est le dieu de la guerre, donc la Freya, il l'a détruit, quoi. Tu as entendu? Une Noken, si près du village. Son chant rend ses alliés invulnérables. Ils ne te laisseront pas passer tant que tu ne les auras pas tous vaincus. Et c'est laquelle que je dois tuer? C'est toi là? Ah, ça? Mais casse-toi! Ok. Mon village. Je le reconnais à peine. Freyr et moi, nous jouions à cache-cache dans les champs. Nous passions nos journées à voler des pommes. Lors des récoltes, nous dansions et chantions.
de Hal. Elle est en ruine. Puisse Freya ne jamais trembler. Il manque l'autre moitié. Puisse-t-elle toujours nous protéger? C'est un vieux dicton. Ok. Tu peux peut-être passer par ici. Par où? Là. Je les entends à l'intérieur. Tiens-toi prêt à les éliminer. Dégage. Et ça dégage. Ça dégage. Bon. Comme si ce qu'Odin m'a fait n'était pas suffisant. Il a aussi détruit tous les souvenirs. Estime-toi heureuse d'avoir de bons souvenirs de ton foyer. À Sparte, on est enlevé à son foyer dès l'enfance et on reçoit l'agogé. On marche où l'on tombe. On se bat pour des restes où l'on meurt de faim. On est battu par ses aînés jusqu'à ne plus tenir debout. La nuit, on rentre seul en tentant d'échapper au loup. C'est ainsi que grandit un Spartiate. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, puis on se retrouve très vite pour la suite. Portez-vous bien, c'était LSA. La bise à tous, ciao tout le monde.